la 13e étape du Tour d'Italie 1994. On quitte Cragne et la Slovénie, on prend la direction de Lienz en Autriche avec un petit passage via l'Italie et le Valico di Caracaro, puisque dans le Tyrol pour l'arrivée, on aura deux difficultés, le Geilberg et surtout le Pannonberg. Des coureurs de l'échappée matinale ont été lâchés, notamment Fornaciari, Mora et Forconi, parce que nous sommes dans la terrible ascension du Pannonberg avec des passages à plus de 10%. Et on avait 6 coureurs à l'avant de la course, Michele Bartoli, Fontanelli, Van Zella, Laurent Madouas, Mario Chiesa et Alberto Volpi, tandis qu'un autre coureur de la Castorama, Thomas Davy, vainqueur du Tour de l'Avenir en 93, essaye de revenir sur le groupe de tête. Malheureusement pour lui, devant, la grosse différence va être faite par un coureur dans les plus forts pourcentages à plus de 10%. Vous voyez également que Madouas a un peu des difficultés à suivre le rythme, notamment des coureurs italiens. Pourtant, Madouas est un bon grimpeur, 22e du Tour de France 93 et vainqueur en cette année 94 de Chelly Pays de Loire. Puisque devant, vous voyez que c'est le vainqueur de la Flèche Brabançonne 1994, vainqueur de la Semaine Sicilienne 93, 7e de la Flèche Wallonne en 1993. Il a 23 ans. Il s'agit de Michele Bartoli, 44e au classement général à 21 045, pour dire que c'est pas un grand danger pour Evgeny Berzin. Et bien, Bartoli a attaqué dans les plus forts pourcentages. Il atteint le sommet de cette difficulté particulière qui était de monter en 3 temps. Au sein du groupe Maillot Rose, Berzin est tranquille. Gianni Bugno de Las Cuevas ou encore Miguel Indurain ne va pas attaquer le russe, tandis que devant, Bartoli continue à faire un très bel effort en solitaire. L'écart pour le coureur italien atteint quasiment 13 minutes sur le groupe Evgeny Berzin. Au sein du peloton Maillot Rose, ils vont profiter des pourcentages pour attaquer. Il s'agit de Marco Pantani et de Pascal Richard, le coureur suisse de la GBMG. Marco Pantani, lui, prometteur grimpeur de l'équipe Carrera. À l'avant de la course, bien sûr, Michele Bartoli fonce dans la descente, une descente très rapide, mais vous voyez que les virages sont assez bien visibles, donc il n'y a pas forcément de risque. Et donc, le coureur toscan va prendre à fond, va profiter de cette descente pour aller très vite vers la ligne d'arrivée, tandis que Pantani et Richard font la même chose, mais bien plus loin derrière. Et encore derrière Richard et Pantani, on a un duo avec notamment Ouchakov. Mais on va se concentrer sur Pantani, qui est bien positionné au classement général pour gagner du temps sur le maillot rose. Michele Bartoli, lui, de Sarre-111, peut fêter sa victoire en terre tyrolienne à Lienz. Il s'impose devant Fabio Fontanelli de la ZJ Mobili, qui avait remporté l'étape de la veille avec Ferrigato, vainqueur de la 11e étape du Giro 93, tandis que Pantani passe avec un retard de 12-27 avec Pascal Richard, tandis que le groupe Maillot Rose passe avec un retard de 13-30. Donc Pantani récupère une 0-3 au classement général. Là, vous voyez le top 10, tandis qu'au classement général, Berzin est tranquille devant de la Cuevas à 2-16 et Bugno à 2-32. Et Pantani revient 10e à 6-28. Ciao tout le monde.